vidéo à ne pas reproduire. Elle a jamais touché un BMX là, elle va y aller comme ça. C'est pas bien. Oh, j'ai perdu des cheveux. Les amis, on se retrouve sur un petit terrain. Regarde-moi ça. Un terrain très connu du YouTube game. Attention, venez, on va voir l'acteur principal de ce terrain, le propriétaire. Nous cherchons le propriétaire du terrain. Ah, bonsoir. Ça te dérange pas si on fait une vidéo YouTube? Ah bah, YouTube c'est quoi ça? On peut rentabiliser chaque journée qu'on fait donc. Je comprends, bien sûr. Bonjour, enchanté. Chantier. Bienvenue chez moi. J'essaie d'enlever une sangle mais j'y arrive pas. Tu veux de l'aide? Bah vas-y. Je te montre comment on se sert de sangle. Bah pourquoi pas. J'arrive jamais à les enlever les sangles. Moi non plus. Mais eux ils ont l'habitude d'éteindre les motos, les sangles, tout ça. Bon bah ça s'annonce préparation du airbag. Je sais pas encore ce qui va se passer. De toute façon il faut que je découvre ce nouveau terrain. Parce que moi ce que je connaissais c'était l'ancienne recyclerie. Qui était déjà très fun mais très effrayante. Je vous mets quelques images. Là, tout ce que vous voyez derrière, je vois ça comme des éléments de torture tu vois. Donc déjà ce terrain à l'ancienne recyclerie, on peut dire c'était la V1. C'était un terrain qui n'était pas à moi, qu'un propriétaire m'a prêté très gracieusement pendant des années. Que, bah, merci à lui. L'histoire, ouais. Après bon ouais, il me fallait quand même un chez moi quoi, c'est, ouais. C'est mieux. T'as laissé beaucoup de sueur sur le plan. Un petit peu ouais. Des bouts de peau aussi. Et ouais, des tas de terre. Je suis encore allé faire le ménage mais je l'ai toujours pas fait. Ça fait mal quoi. D'aller ouais. Tout raser ce que j'ai mis 8 ans à faire. Tu m'étonnes. Donc là c'est en construction, tu veux encore en faire? Ouais j'ai encore de la place. Bah, déjà j'essaie de finir bien tout ce qu'on va essayer aujourd'hui. On a fait un skatepark à l'intérieur, un truc dehors. Si maintenant on a l'air bike, donc on ouais. Est devenu un peu des flemmards quoi. C'est le luxe non? Ça, c'est le grand luxe. Les autres tas de terre là ce sera pour des bosses de moto qu'on a toujours pas fait. Mais on peut aller sur le terrain de vélo en mini moto. Ça marche. Je ferai ce que tu m'autorises à faire. Ouais tout est permis. Tout est permis. Ouais. On va aller un peu guetter le skatepark. Et bah, on va se permettre. Faites-vous plaisir, c'est peut-être un peu le bazar à l'intérieur, mais bon, au moins c'est authentique. Bonjour l'escalier à raid. Donc bienvenue dans le temple de Philippe. Philippe il est trop mignon, il a trouvé un chat, il lui a fait une petite maison, petite niche. Dans deux minutes, il parle plus. Hop là. Ah. C'est mieux, ça ressemble mais en même temps ça n'a rien à voir. Ça, je suis trop handicapée. Déjà c'est plus lourd ça non? Un petit peu ouais. Ah ouais. Est-ce que là tu vois la différence les suspensions Charlotte? Pour une réception de saut, tu vois c'est là toute la différence. Là t'as l'arrière n'est pas réglé à côté. Et du coup ça tape fort tu vois. Là t'as vu je peux mettre court, long, ça tape toujours bien. Ah oui faut pas se raccrocher. Ah oui, elle est bien celle-là en moto. T'es posé? Ouais elle est trop bien. Posé sur la bosse à Philippe. T'as vu ça descend là? Ouais ça descend. T'as une super belle valise Philippe. Hein, merci beaucoup. Hein. C'est un très très gentil futur partenaire, oh je l'espère. Chance. Voilà qui me l'a offert. Toi t'as vraiment de la chance. Hein. T'es voilà. Bien mis toi hein, parmi Milwaukee. Voilà, on n'est pas tous privilégiés comme ça oh, malheureusement. J'avoue, il y en a, ils sont bien mis chez Milwaukee. Moi j'ai eu que la valise hein, pour l'instant. Je dirais des trucs de danseuse. T'as vu ça? Je pense que ça limite quand même les entorses. Je suis content de les avoir. Je pourrais pas rouler sans. Tu filmes beaucoup mes pieds. J'ai aussi ta table, je crois, dessus. Ah coup, yes. Il y en aura pour tous les goûts. Pour les fétichistes des pieds et des tubs. Les amis. On le dit rarement mais c'est super important pour nous soutenir de s'abonner, de liker, de commenter tout ce que vous pouvez pour mettre en avant notre vidéo. Ça va nous aider à produire du contenu de ouf. On a encore des projets pour sortir des trucs de ouf mais voilà on a vraiment besoin de force et ça il y a que vous qui pouvez nous la donner. Moi je suis fier de Philippe parce qu'il a planté plein de petits arbres là. Vous voyez tous les arbres là qu'on voit sur le spot, il n'y en avait aucun. La dernière fois qu'on est venu c'était complètement vide. Il y avait un champ complètement comme un champ.
Bon les amis, objectif, notamment pour moi aujourd'hui, sauter ce truc de ouf. Alors ça a l'air confortable, moelleux et tout, mais moi ça m'impressionne un petit peu, tu vois. J'ai choisi la Suronne aujourd'hui pour sauter ça. Elle est légère, qu'est-ce que t'en penses, elle est bien? J'avais beaucoup d'a priori là-dessus, j'en avais déjà essayé une qui était pas préparée, et celle-là, je l'aime tout particulièrement bien. Genre j'ai fait deux sauts, j'étais à l'aise direct. Petite préparation suspension, c'est ça que t'as fait? C'est ça. Flashback. Ah oui. Je garantis pas que ça fonctionne, hein. Je garantis rien du tout dans ce que je fais là. Ça pue la merde, non? Cette histoire là. Ah mais le roulement il sort comme ça. Ah ouais non, c'était trop facile en fait. Waouh. Grande vérité. Waouh, ça a l'air incroyable. End of flashback. J'ai adoré. On avait le choix avec la Talaria, mais t'as vu la Talaria d'un coup c'est un peu plus lourd et trop puissant, hein, vraiment. La Talaria, ça a le démon. Enfin, pour moi qui n'ai pas l'habitude, ça a vraiment le démon. On va voir ce que ça vaut vraiment ces petites suspensions qui sont en train d'essuyer le airbag. C'est bien. Les gars, ils ont retiré leurs chaussures, ils sont mignons. Ils sont prêts à la fête foraine. Les deux rampes, elles sont un peu, elles doivent être un peu comme ça. Parce que nous, on fait souvent des sessions moto-vélo. Personne tombe sur les côtés. Non, c'est pas encore arrivé. Après, il y a une première à tout. Hein. Restez là jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Elle est un peu loin, là, m'a dit la rampe, non? Un petit peu, ouais. Ça fait peur. Ça saute. Oh non. Ouais, oui. Wow. Non, ça va bien. Et pas reculer tout de suite, non. On n'est pas des freestylers là. Moi aussi, je coupe mon moteur. Faut ça. Il faut savoir qu'il y a deux secondes, elle m'a dit, je lui ai dit vas-y, essaye suicide. Elle me dit ouais, mais j'ai déjà essayé il y a longtemps. Elle l'a fait premier coup. Visiblement, tout se passe très bien pour toi. Ouais, faut que j'essaye autre chose. J'aimerais bien faire ça là. Ah oui. Kill clicker, non, c'est pas ça. Faut être très très souple. C'est un truc pour Charlotte ça. Ah. Charlotte, elle serait super forte en freestyle. Elle ferait des grands écarts, je pense. C'est l'échauffement. C'est à cette heure-là qu'on arrive. Ça va, il est 15h, on est dans les temps. Charlotte, tu es de toute beauté. Hein. Ah. Belle. Je sais pas, vous avez un truc en plus, je sais pas, là en plus Sarah elle est à poil, je sais pas pourquoi. T'as vu? Ça va? Check. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va, je te fais un bisou. On a retrouvé la team. À fond. Cass. Et coucou. Dis bonjour à la caméra. Salut, comment vous allez tous? Alors, je tiens à vous dire, Sarah là va nous faire un backflip. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Elle sait qu'on fait que dire ça, elle va vraiment finir par le faire. Hein. Elle va le faire, elle va le faire. Je pense que ça peut le faire. Hein. Qu'est-ce que vous manigancez? Bismillah. Voilà, elle a dit il faut toujours dire Bismillah avant de faire un saut. Parce que là, elle va faire le... Bismillah. Elle va faire le... Mets un manche longue. Elle m'a dit non, moi tu connais, c'est la rue et tout. Tac, tac. Nous, on n'a pas grandi à la campagne et tout. Nanana, c'est ce qu'elle m'a dit. Nous, c'est les champs. Mais je lui ai dit, vas-y, hein, tu tentes. Le oncle. Hmm ouais. Elle va oncle. Allez. Voilà. Ça flippe les sauts un peu, hein. Lesquelles? J'en ai jamais pris, moi, ça fait Cass, elle va prendre le airbag avec la 110. Tranquillement, je vais essayer les petits d'abord. En fait, quand t'arrives devant, t'as vu, tu vois que le truc, il est comme ça. Ouais. C'est ça qui fait flipper. Je te jure, quand t'arrives devant, tu te dis, ah ouais. Mets un casque, hein, peut-être. Hein. Ouais, je vais en mettre un. Regarde, Cass, elle a mis son casque. C'est bien.
Comment t'as rattrapé? Je sais pas comment j'ai fait. Oh la vache. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Oh purée. C'est toi, tu m'as dit plus de vitesse. Ah. Moi de faire un angle comme ça. Ça marche quand même, non? Ouais, t'es forte. À chaque fois j'ai l'impression que je vais tomber et en fait non. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'idée? Je me prépare une poignée. Ouais. Pour aller faire un petit peu de circuit avec mon corps. Tu vas te traîner? C'est grave. C'est ça. Ça. Tu vas faire quoi ta petite sœur? Mais c'est je vais rien faire moi, elle m'a demandé, je sais même pas trop ce qu'on va faire. Moi je suis là, je fais hein. On va découvrir. Moi, je fais. T'as des bonnes idées toi hein? Toujours. Non, non. Voilà, c'est trop grand. Tu vas l'accrocher comment sur toi? Et me tenir avec la main en vrai. Bah, elle va m'envoyer là, dans la bosse. Enfin, on va essayer du moins. Elle va faire quoi? C'est grave de dire ça, je vais aller faire du circuit avec mon corps. Elle va user sa cinquième vie. Ma solidité, hein. Je pense comme ça. C'est... Attends, faut que je fasse un nœud après. Là, comme ça, c'est bien là. Que ce soit trop long. Si tu freines et qu'elle est trop proche. Non, ouais. Parce que son corps il est trop lourd pour glisser tout seul, je pense. Nickel. T'as une tenue de traînée? Je vais mettre une tenue de traînée, ouais. C'est quoi, tu vas utiliser une vie là? Bah peut-être, peut-être pas. Là t'es en train de faire ta poignée là. C'est ça, t'as compris. Faut bien tenir. J'ai fait un tour de terrain de cross sur un... Je sais pas comment ça s'appelle. Genre tu mets ça derrière un quad. Et tu sais c'est une sorte de filet qui sert à lisser le terrain de cross pour enlever les ornières. C'est du damage genre. Oh, ouais voilà. Et au ski toi. Non mais c'est un peu ça genre. C'est ça, ouais. C'était une sorte de grand filet tu vois. Et ça, et ça lissait un peu le terrain parce que ça t'enlève pas des grosses ornières. Ouais, on avait fait un tour avec mon pote sur ça. T'as des images de ça? Ça peut se retrouver. Ouais. Clap. Oh, c'est mignon, regarde ces petits cheveux qui dépassent du casque. T'as vu ça? Faut que j'aille chez ce qu'on appelle un coiffeur. Elle tente si toi tu le fais. Hein? Non mais il fait merci trop le malin lui. Non, non, moi je ne sais pas le faire. Ah. Elle non plus? C'est trop bien. Bah justement, il faut qu'elle apprenne. Non, elle l'a déjà fait dans un bac à mousse. Attends, ça va mieux? Ça revient? C'est où que t'as mal? À la jambe. Laquelle? À la poitrine. Jambe et poitrine. Jambe droite. Attends, on respire deux secondes, attends. Ça reste comme ça. Oh, l'épaule aussi, je ramasse. Oh, j'arrive pas à savoir en face. Attends, attends. Imagine le 2,5 sur ta tronche. Oh là, grave. Ah. Super-héros. Quoi, ça te gêne la poussière? Non, le cas, le guidon il tombe là, tu vois. Ah. Non, mais ça n'arrivera jamais. Je suis un peu sous pression et tout là, t'as vu? Non, mais sans que tu vas le faire. Ça va, je vais essayer un jour. Mais non, je veux un bac à mousse avant, je veux faire mon fragile un peu. Non, mais allez, c'est bon. Mais t'es trop belle là facile. Pour te pourrir. Mais c'est ça qu'il faut pour les réseaux sociaux. C'est un beauté. Tu vas sauter la rampe? Bah, je vais peut-être essayer. T'es trop fort. Ah, petit tour de jamais fait. Le truc, c'est que j'ai l'habitude de sauter dans la Seine, moi, pas sur des airbags. Ouais, pas mal du tout. Tu peux pas tomber dans le trou. Bah, après, je risque pas de tomber dans le trou là en vrai. Écoute pas leurs conseils qu'ils vont faire que tu vas te blesser. Au mieux que j'y aille au feeling. À fond, à ça fond. Va être canon. Mais dis pas, t'en fais juste un ou deux ou juste tu montes en haut et tu... Ouais, après je pense que c'est mieux que j'y aille direct en vrai. Ok, va... pas assez vite. Vas-y, moi je dis plus de conseils. En vrai, je vais faire des tests, je vais reglisser. Vas-y, bah, je vais l'essayer. Tu restes bien droit, bien solide sur tes bras et ça y va, tu vois. Vas-y, on va juste reculer un peu. Non, y'a pas besoin, t'inquiète. On va essayer comme ça. Eh, en fait, oh, ouais. Ok. Eh ben va à fond s'il te plaît hein. Voilà. À fond hein. T'as peur pour elle? Non, elle a déjà sauté dans la Seine, elle a déjà été dans des trains qui déraillent. Elle a tout fait. Oh je t'en passe. Ah, enlève la barre. Allez, Cléo. Je pense qu'elle venait d'atteindre la bonne vitesse. Je crois. T'es pas bien. Vraiment pas. T'es pas bien. Moi j'ai l'habitude des trucs un peu rationnels, tu vois, la personne qui progresse, qui apprend le vélo. Elle a jamais touché un BMX là, elle va y aller comme ça, c'est.
Non, arrête. Ça va pas. Là, niveau vitesse, c'était bien. Ok, nickel. C'était bien. Et tu te... Ouais, tu vas chercher du regard là-bas, en fait. Je propulse un petit peu vers l'avant, le vélo. Ouais, voilà. Vas-y. Et tu vois, tu regardes là où tu vas. Bah oui. Non mais... Logique. Je crois qu'il est pas bien. Il est pas serein. Non, en vrai, j'ai écouté les conseils qu'il me fallait. Ils sont restés là. Okay, bien. Maintenant, bah, suffit de l'envoyer. Ils viennent de sortir. Ils sont sortis déjà, ces conseils. Un petit peu. À la bonne vitesse, c'est bien. Voilà. Vas-y, nickel. Non, c'est juste ça qu'il faut que je retienne. Je suis obligée de refaire là. Philippe, t'en penses quoi? Je dis plus rien. Moi, c'est fini, je dis plus rien. Elle s'est envolée, elle était plus sur le vélo. Oh, elle s'est vraiment envolée là. Incroyable! Hey, du coup, t'as été un peu vite. T'as pas peur pour elle quand elle fait ça? Non, je lui fais confiance. Mon cœur, il lâche à chaque fois. Ah bon? Non, je te jure! Ah, moi, il prend la patate là. Tu t'es encore pas fait mal? Non. T'es sur l'airbag, j'ai toute responsabilité, mais une fois que je touche le dur, je contrôle plus rien. Elle est incroyable. Elle est complètement folle. Il y a des gens, ils passent toute leur vie à s'entraîner. Elle le fait trois fois, elle y arrive. Je suis choquée. Choquée. C'est l'atterrissage, il est chaud. Vu que c'est complètement mou en fait. Vous nettoyez un peu? Ouais. Pourquoi tu nettoies là? C'est un aménagement du terrain. Bah tu vois, parce qu'il y en a qui peuvent passer en moto, en vélo ou alors sur le cul. J'ai cru comprendre. Littéralement. Donc. T'as jamais eu ça sur ton terrain? Non, c'est pas trop la discipline qu'on pratique de base. Mais après, moi je suis ouvert à tout, hein, tu sais, hein, y a vraiment pas de soucis. Hein. Allons tester de nouvelles disciplines. Ah, oui. Elle avait pas assez de puissance pour faire comme je voulais faire. T'étais à fond? Ah ouais? Pourquoi? Et elle est où ta chaussure? J'aime bien. Par contre, la chaussure, je sais pas. J'allais la retrouver dans le terrain. C'est la vie que t'as décidé de mener? Ouais, bah ouais. Ok, on continue. Let's go. T'es pas arraché le dos, tu vois? Non, ça va, je crois. Ah ouais, je l'ai oublié. Vas-y, t'es chaud pour essayer de la chaussure? Vas-y, Sarah. Je vais chercher ma basket. Vidéo à ne pas reproduire. T'as pas été marin, toi? Toi, tu l'as été? Presque. Vous faites quoi là, Sarah? Changer de moto? Je sais pas, c'est le délire de Cléo. Elle veut souffrir un peu plus, je crois. C'est bon, Sarah? C'est faux. Vas-y, Sarah, hésite pas. Non. Merde. Non, stop. Attends, stop. Au cas où, c'est moi qui décide si j'ai besoin de lâcher, t'inquiète. Ouais, elle lâche, c'est vrai. Je suis pas accrochée à la corde. Ouais, c'est vrai. Elle t'a dit de faire quoi? D'aller à fond. À toute berzingue. En plus, avec un corps de rêve. Ça fera plus les deux meufs qui savent pas du tout ce qu'il faut. Ouais, grave. T'es prête? Vas-y. Voilà, là c'est de la bonne chose. Regarde, j'ai perdu des cheveux. Ça va? T'es prête pour une ultime fois? Ouais, je crois qu'on va essayer avec la moto plus puissante. Hein. Je suis frustrée à chaque fois, j'entends. Je sais pas si c'est la corde ou... Ou ses cheveux, ou la peau, ou ouais, sa côte. Vas-y. Elle allait vraiment aller à fond, je pouvais même plus tenir. J'ai refait mon fard à paupières. T'as un beau teint, Théo. T'as vu ça? Ouh. C'est naturel en plus. Là, ça allait vraiment vite. Hein. Qu'est-ce que vous allez essayer? Bah, apparemment, ils veulent sauter à deux. On va essayer. Je sais pas si on va réussir, mais on va essayer, ouais. Avec la Talaria, parce qu'elle est plus puissante. Et je pense qu'elle mettra plus de watts. Enfin, ça ira mieux pour faire le saut, quoi. Faut quand même que j'arrive à sauter, moi, avec le poids des deux.
Je suis à vide, assise, donc parce que là je vais un peu être bloquée assise avec elle, et ça va bien, voilà. Moi je pense que ça va le faire, je te fais confiance hein. Sarah, tu le sens comment? C'est toi la pilote en vrai? Ouais, ça devrait moi, le faire, ouais. Je me fais confiance, hein. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais toi, tu peux que lui faire confiance. Déjà, ce que t'as fait. Je te jure, j'ai rien tiré du tout là. Là, c'est bien comme ça? Comme ça. Quand je le tiens encore. Bon bah écoute, ça va, et pilote hein. Ah ouais. C'est passé, nickel, je crois on a juste frotté. Tu vois le garde-boue, il a frotté la roue, tu sais, avec le poids derrière. Ça a été? Ouais, ça l'a fait hein, super. C'était trop facile. C'est le garde-boue qui a frotté. Ouais, je crois le... Je crois que c'était ça, ouais. Ça m'a surpris, j'ai fait what. Après j'ai pas réussi à m'éjecter trop vite, parce qu'on a pas trop de vitesse. Ouais, elle est folle. Hey, ça a bien sauté là, non? C'est pas mal là. Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo en compagnie de nos amis plus fous les uns que les autres. Il y aura leur Insta, Snap, description. Là. La prochaine fois, je rentre un bac. La prochaine fois, le bac flip. Ouais, la prochaine fois, le bac flip. On n'a pas eu le temps. Ouais, c'est pas qu'on a passé trop de trucs. En vrai, j'espère que ça vous aura plu. Prenez bien soin de vous, la team. À très vite dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Bye. Peace. Normal. Oh putain. Bizarroïde.